Salut tout le monde, c'est Barney sur Crypto Gaming FR. Petite vidéo sur My Defi Pet, comment jouer à ce jeu et surtout comment acheter des œufs. Pourtant c'est très simple, je vous fais une petite démonstration. Donc déjà pour commencer, vous allez sur le site sur mydefipet.com, vous allez sur Defipet Token, vous prenez l'adresse qui est là, vous la copiez, vous allez sur Pancake Swap, vous allez sur Exchange. Une fois que vous êtes sur Exchange, vous cliquez sur en bas, sur là en dessous ce que vous voulez acheter, vous collez votre adresse, vous cliquez sur le Defipet, il apparaît là, et là vous achetez avec MetaMask ou ce que vous voulez, combien vous en voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez ici, vous mettez sur Play Now, ensuite vous êtes sur My Pet, Boy, et là vous connectez votre MetaMask. Donc là, moi c'est Refresh, mais vous, ce sera marqué Connect, et là vous connectez votre MetaMask. Ensuite là, sur Defi Hug, vous pourrez directement en acheter. Vous cliquez là, Boy, ça l'achète. Voilà, une fois qu'il est acheté, vous allez directement dans Game, vous cliquez là. Le chargement va se faire uniquement sur la page, donc il faut rester sur la page pour que le chargement soit effectué. Il y a une petite erreur, on attend. Donc ensuite, vous arrivez directement dans le jeu, à cet endroit-là, qui est votre petite ville. Ensuite, vous allez sur My Pet. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur My Pet, vous arrivez directement ici. Ici, ce sont vos pets que vous avez achetés. Donc quand vous les achetez, vous ne savez pas ce que vous avez dedans. Ça peut être aléatoire totalement. Donc, une fois que vous avez acheté, vous pouvez voir vos pets. Donc là, une fois que vous cliquez dessus, vous avez directement les capacités. Donc là, on voit les HP, l'attaque, le critical, le speed et le silver. Le silver, c'est ce qui vous rapportera dans son enclos pour pouvoir lui racheter, enfin lui farmer de la nourriture pour le nourrir et l'augmenter. Donc voilà. Donc ensuite, voilà. Donc les silver, vous les récupérez en cliquant sur votre ferme. Une fois que vous avez vos silver, chose importante, c'est à farmer la nourriture. La nourriture, pourquoi? Pour nourrir les dépêtes, surtout pour leur donner la chance d'évoluer, de changer de niveau. Vous cliquez dessus. Là j'ai essayé des diamants, il ne faut pas le faire. Donc là, vous avez directement, là j'ai mis ça, donc je peux faire plusieurs comme ça. Et ça va lui donner chaque fois de la nourriture pour nourrir les pets, pour les faire évoluer. À vous de découvrir comment ça va se passer exactement. Donc voilà, donc pour l'instant, on attend de savoir, là-haut, il y a l'Ampere Forest, donc là, ça sera soit pour du breeding, ou soit pour faire des bébés, ou pour se battre, mais je pense que ça sera plus pour faire des bébés, ou pour fusionner, j'en sais rien. Ici, ça s'appelle le Staking Center, donc Staking Center, chose très importante à voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, je suis très impatient. Ici, c'est la librairie, toujours pas ouverte non plus, on attend, donc librairie, je pense, c'est par rapport à comment faire fusionner les pets, ou... Qu'est-ce qu'ils ont comme force, je ne sais pas encore. Ici, c'est le Marketplace, que vous voyez. Marketplace, toujours pas ouvert non plus. On attend de savoir ce qu'ils vont faire avec, mais ça va pas tarder, je pense. Ici, c'est la Main House, aussi à voir ce qu'ils vont faire. Et là, c'est le Pet Hotel que vous pouvez déjà utiliser, à vous de découvrir comment. Et ça, c'est à vous de savoir si vous voulez essayer le jeu. Donc voilà, donc ces petites vidéos pour vous présenter My Defi Pet. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Barney sur Crypto Gaming FR. Bonne journée et bonne soirée. Bye bye.